Julien Guerrado, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je pense qu'il a été beaucoup trop loin, mais je pense qu'il a un mal-être intérieur qui va au-delà de tout ça. Et c'est très très dur la télé-réalité. Tu le vois aujourd'hui avec Julien Guerrado. En fait, je pars du principe où on a eu tellement d'exemples qu'on peut pas se tromper aujourd'hui. C'est pas tout beau tout rose. Ma réputation, je me la dois qu'à moi-même. Les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en branle totalement. Je suis un mec 100% vrai. Quand je me lève le matin dans le miroir, je te jure que je suis très fier de moi. T'en penses quoi de l'affaire Julien Guerrado? Julien Guerrado, c'est une personne que j'apprécie énormément. Je pense qu'il a été beaucoup trop loin, mais je pense qu'il a un mal-être intérieur qui va au-delà de tout ça. Alors, je ne prêche pas en sa paroisse parce que c'est impossible de défendre l'indéfendable. Ça n'excuse rien, mais ça te donne des réponses à certaines questions. Mais encore une fois, j'aime beaucoup Julien et j'ai pas envie de l'enfoncer. De Vincent qui va devenir papa. Félicitations à lui. Quoi, c'est vrai que je l'ai très très mal pris de l'apprendre par d'autres personnes. C'est la vérité. J'estime qu'après 12 ans d'amitié, j'estime être pas le premier à le savoir, mais du moins pas le dernier et pas l'apprendre par d'autres personnes. De la rupture, Sarah et Jonathan. J'aime beaucoup Sarah Lopez, c'est très bien ce que je pense d'elle, c'est une très grande amie à moi, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle revendique et tout ça. Non, moi j'aime beaucoup Jonathan aussi. Je vais pas te mentir, c'est un garçon que j'apprécie, que j'ai rencontré avec Sarah aussi. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, et en vrai je m'immisce pas dans la vie de couple. Ça leur appartient, mais c'est pas à moi de juger John ou Sarah, c'est leur relation, ça leur appartient. Et je veux même pas savoir pourquoi ça s'est fini. Et t'en penses quoi de ta relation avec Tiffany? C'est une fille extraordinaire. Tiffany, c'est la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée. Et je te dis pas ça parce que c'est la dernière, je m'en fous en vrai. C'est la femme la plus accomplie de toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans la télé-réalité. Et c'est la fille qui m'a le plus apporté dans une relation 200% vraie, authentique, investie. Elle a tout ce qu'il faut pour être la femme à marier et pour lui faire des enfants. De la saison 12 des Anges. Je l'ai pas vue, elle est passée très peu de temps et c'était pas une saison qui m'attirait spécialement. Écoute, mauvais casting, je sais pas. Après, tout ne va pas sur la faute des Anges 12. Il y a un moment donné, il y a des candidats qui sont là pour faire une émission. Et soit ils y arrivent, soit ils y arrivent pas. C'est de la faute de tout le monde. Autant des producteurs que de ceux qui y ont participé que de tout le monde. De l'affaire Adrien Laurent. Moi je l'ai beaucoup défendu. Parce que en vrai c'est son monde à lui. Ça lui appartient. J'estime que lui, il a fait son jeu, entre guillemets. Il l'a fait plus ou moins tard. Donc s'il y a des enfants, ça c'est peut-être de la faute des parents aussi. Mais je pense, comme je lui ai dit, que le dernier live a été beaucoup trop loin dans le jeu en fait. Il y a un moment donné où il a passé un palier qu'il fallait pas franchir. Et t'en penses quoi du monde de la télé-réalité? C'est très malsain, mais c'est un gros tremplin. Il y a de tout dans la télé-réalité. Il y a des gens malsains, il y a des gens honnêtes, il y a des requins. Voilà, il faut faire très attention. Après, tu fais quand même de belles rencontres. Il faut pouvoir gérer, il faut être psychologiquement très 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 fort. Et c'est très très dur la télé-réalité. Tu vois aujourd'hui avec Julien Guerrado. En fait, je pars du principe où on a eu tellement d'exemples qu'on peut pas se tromper aujourd'hui. On a eu des Loana, on a eu des FX, on a eu des exemples qui nous apprennent que c'est pas tout beau tout rose. Donc il faut faire très attention et savoir où on met les pieds. Et de ta réputation? Ma réputation, je me la dois qu'à moi-même. Les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en branle totalement. Je suis un mec 100% vrai. Quand je me lève le matin dans le miroir, je te jure que je suis très fier de moi et que je sais où je suis. Donc en vrai, ce que les gens pensent, ça m'en touche une sans faire toucher l'autre. Parce que je suis qui je suis. Je sais que je suis pas misogyne, je suis pas violent, je sais tout ça. Alors oui, je suis brut de décoffrage. Quand je parle, j'emploie pas forcément les termes adéquats. Donc je vais peut-être loin dans mes paroles et ça s'arrête là. Go. We'll be right back.